Les amis, aujourd'hui on va parler sécurité. Pourquoi ? Parce que je vais unbox une caméra de surveillance de la marque Amilab, une marque avec laquelle j'ai déjà pu collaborer et là on a du lourd. La dernière fois que j'avais fait avec eux, c'était une sonnette connectée et espion. Enfin, je considère d'espion parce que ça voyait clairement tout ce qui se passait, même quand on n'était pas chez nous grâce à notre téléphone. Alors là les gars, on a directement une caméra de surveillance. Je connais donc la qualité de leurs produits et là je peux vous dire les gars qu'on s'attend à quelque chose d'incroyable. Juste regardez la liste des caractéristiques, je ne sais pas si on voit bien, mais elle est énorme, donc attendez-vous à beaucoup de fonctionnalités. La sécurité, c'est un point qui revient souvent sur ma chaîne en ce moment, et je pense qu'avec toutes les vidéos que j'ai à faire sur la sécurité, et ma maison sera complètement sécurisée. Si vous aimez ce genre de test tech où est-ce que je teste des objets et que je vous donne mon avis à froid ou à chaud, non mais non, ça veut rien dire, et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo, et nous on va partir sur l'unboxing parce qu'on a beaucoup de choses à découvrir, donc c'est parti. Et bien les amis, c'est parti pour l'ouverture de la Amilab EC5, cette caméra de surveillance qu'on va pouvoir connecter et qui va enregistrer tous les mouvements et aussi traquer les humains. Donc ça c'est plutôt pas mal. Quand on s'introduit chez vous par exemple, c'est plutôt rassurant. Donc on va partir sur l'unboxing direct et on peut voir que en fait Amilab, ce qu'ils aiment faire, c'est donner que l'essentiel et ne pas se prendre la tête et se concentrer uniquement sur le sur le produit. Et le produit est très bien protégé, je n'ai jamais vu ce genre de packaging. On a un suremballage gonflé en plastique qui va permettre de protéger convenablement le produit. Et ça, mais ce genre de truc, si vous voulez envoyer des objets par Colissimo ou quoi, c'est pratique, c'est très pratique. Il n'y a aucun risque que ça se casse tout simplement. Bon écoutez, c'est assez rapide au niveau de l'unboxing parce que du coup dans cette boîte on a la caméra, les câbles qui vont avec et quelques autres petites choses comme par exemple la notice. Tout ça pour dire que c'est bien protégé dans un carton qui reflète vraiment bien leur marque et aussi l'utilité du produit, mais également l'avantage du produit. Donc là il y a les points forts et il y a par exemple le fait que ce soit waterproof. C'est waterproof IP66. Autant vous dire que ça va bien résister dans le temps parce que c'est une caméra qui est prévue pour l'extérieur. Donc on va voir ce qu'il y a dans cette boîte, d'accord. Donc je pense que c'est tout l'installation qu'il faut. Non, il y a aussi... Ah d'accord, ok, bah oui. Évidemment, la caméra, il faut la brancher. Donc il y a la prise pour la mettre sur secteur. Juste ici, avec un fil qui est très long. Et ça, c'est très pratique quand on doit faire des installations comme celle-ci. Où est-ce que ça va être dehors et il n'y aura peut-être pas forcément de prise juste à côté. Donc on va devoir s'organiser. Un autocollant pour savoir où faire les trous avec la perceuse. Alors ça, c'est plutôt cool et c'est bien pensé de leur part. Parce que c'est un des problèmes qui se posent. Par exemple, quand on achète une armoire, enfin une étagère Ikea, par exemple, comme il y a dans ma chambre. Ce genre de choses où est-ce qu'on ne sait pas forcément les mesures et on est bien content quand il y a quelque chose de fourni avec pour pouvoir nous faciliter la vie. Une garantie de 2 ans offerte, donc c'est très cool et ça engage vraiment la marque. C'est-à-dire qu'ils vont pas disparaître dans la nature, évidemment. Voilà, vous sachez que vous avez une garantie de 2 ans fournie lors de l'achat d'un de leurs produits. On a fait le tour assez rapidement, je vais vous dire. Mais c'est pas plus mal parce qu'en fait il nous faut l'essentiel. Et l'essentiel c'est quoi? C'est la caméra de surveillance, la prise secteur pour l'alimenter et le kit d'installation pour la mettre par exemple sur un poteau, sur un toit ou sur un mur. Ce sont les 3 utilisations et les 3 emplacements prévus par la marque. Écoutez, je n'aurai bien plus à dire durant la cinématique, donc c'est parti, on va passer à la cinématique et on va détailler tout ça. Mais pour l'instant, l'expérience utilisateur est au rendez-vous. Voilà, très simple, très bien protégé, une garantie, ça montre que la marque se fout pas de nous et ça, ça fait plaisir. Concernant les caractéristiques de la Amilab EC5 de chez Xiaomi, oui, c'est une marque de Xiaomi. Alors, donc un tracking humain avec une intelligence artificielle, un angle à 360 degrés avec 2 axes, un vertical et un horizontal. On pourra la connecter soit en Wi-Fi, soit en Ethernet, ce qui laisse le choix et c'est très pratique. On aura un enregistrement automatique quand il y aura un mouvement ou bien une détection humaine, une qualité de caméra de 3 mégapixels jusqu'à 2K et de la HDR est proposée. On aura un éclairage intelligent ce qui va nous permettre de pouvoir avoir des bonnes images la nuit. La caméra va détecter s'il fait nuit ou pas. On aura une activation de la lumière soit par calendrier quand on aura défini des dates et des heures ou bien quand un humain sera détecté, ce qui peut être très dissuasif. On pourra configurer des zones là où est-ce qu'on est sûr que s'il y a quelqu'un, c'est pas normal. Des notifications seront envoyées instantanément sur nos téléphones et une sirène intelligente dès qu'il détecte un humain montera jusqu'à 100 décibels. On aura un stockage en ligne ou bien par micro SD. Cette caméra est waterproof IP66. Elle possède un micro et des haut-parleurs afin de pouvoir communiquer et entendre ce qu'il se passe. Alors que ce soit pour une installation sur le toit, sur un mur ou bien sur un poteau, cette caméra est parfaite. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Et bien les amis, alors maintenant on va un petit peu regarder les paramètres de l'application parce que j'ai réussi à la connecter et à l'utiliser un petit peu et à comprendre comment ça fonctionne. Alors j'ai relevé des choses très intéressantes sur l'application. Bon là par contre ça va suivre le mouvement, mais par contre si je fais ça, ça va simplement aller là où je veux. Même quand on n'est pas chez soi, on pourra un petit peu regarder tout ce qui se passe et voir déplacer comme on veut à 360 degrés, enfin presque à 360 degrés, mais là elle traque le mouvement. Donc autant vous dire que si je me cache, elle va bouger. Et voilà, donc c'est assez intéressant à voir.
Voilà, là elle bouge par exemple, voilà, elle bouge. Donc on a un retour sur image juste ici et on a plusieurs options les amis. Le mode sleeping, donc ça va permettre d'éteindre la caméra, mais nous on veut la tester et regarder un petit peu comment ça fonctionne. On a le 2K, le SD et automatique, donc pour selon la meilleure option. En automatique, ça va choisir tout seul. On va mettre en 2K HD et on va regarder. Donc on voit que c'est très détaillé et je pense que ça, sur un retour sur image, ça peut être vraiment parfait. Et là, on va pouvoir essayer d'entendre ce qui se passe. Voilà, ça fait un sacré écho, mais en gros, en appuyant sur ça, je peux enregistrer le son depuis la caméra. C'est-à-dire que si quelqu'un parle ou si quelqu'un, ou je sais pas s'il y a un son, s'il y a quelque chose, et bon, on peut entendre tout ce qui se passe. Donc c'est assez intéressant. On a l'alarme, on va pas la tester tout de suite, les amis. On va plutôt aller dehors pour ça. Et là, j'ai le mode plein écran où est-ce que on voit tout et on a accès à quelques boutons quand même en haut et voilà. Donc ça fait très jeu vidéo. Alors ensuite, paramètres, caméra setting. On a pas mal de choses, sleeping setting. Donc voilà, peut-être que on veut mettre une plage horaire. On a plein d'options. D'ailleurs, on va les tester. Voilà, hop, on va voir ce que ça donne quand on va mettre ce mode là. Normalement, ça va gérer la luminosité et on va voir ce que ça donne. Ok. D'accord, ok, donc ça gère la luminosité comme ça, d'accord. Ok, bah on voit encore mieux j'ai l'impression. Ah, ça dépend comment on veut l'utiliser. Là par exemple c'est bien en intérieur quand il y aura beaucoup de luminosité mais qu'on veut garder quand même pas mal de détails. Là on voit beaucoup de choses. On a une correction de distorsion, donc ça doit être dû à l'angle de 110 degrés de la caméra, l'angle focal. Et voilà, également en bas on a le bouton que j'avais vu juste avant, on peut éclairer. Donc là on peut voir que ça éclaire très bien et qu'on a l'intensité d'éclairage. On peut baisser un petit peu, mettre pas beaucoup ou mettre beaucoup. Enfin voilà, autant vous dire qu'on a le contrôle sur quasiment tout grâce à l'application. Et on peut appeler, donc là c'est à dire que je vais pouvoir faire entendre ma voix. Bon là ça fait un écho, mais ce que je veux vous dire c'est que même de loin on peut dire ouais qu'est-ce que tu fous chez moi. Tout ça pour dire que c'est très fourni. Donc écoutez, maintenant on va passer à dehors, parce que je pense qu'on aura une meilleure vision d'ensemble sur ce qui se passe et sur comment agit la caméra en la mettant dehors. Donc c'est parti. Et bien heureux, j'ai donc installé la caméra juste dehors comme celle-ci. Et je vais un petit peu essayer le mode tracking et aussi le mode alarme, donc on va voir si ça me détecte. Mais pour l'instant on peut voir que sur le retour caméra que j'ai, eh ben c'est plutôt pas mal, hein. Je vais enregistrer tout le long, mais je pense que ça va être pas mal. Je vais activer le mode monitoring home, je vais mettre une sensibilité élevée. Donc écoutez, c'est parti, je vais mettre devant puis on va voir ce que ça donne. Donc là, bon bah ça bouge, mais le frérot j'ai l'impression qu'il sonne pas. On va faire sonner parce que moi j'ai bien envie de voir ce que ça donne quand ça sonne. Donc c'est parti, on va faire sonner tout ça et on va voir ce que ça donne. Ok. Ah oui, ça sonne vraiment. Ok. Bon là en fait elle va suivre tous les mouvements qu'elle voit. Donc c'est à dire même les arbres ou quoi, elle va suivre. Maintenant j'ai hâte de le tester un petit peu dans le noir. Par exemple dans ma chambre, si je ferme les volets, voir ce que ça donne en mode vision nocturne. Donc c'est parti. Et bien heureux, alors je suis dans ma chambre et j'ai installé la caméra de surveillance juste ici. Donc autant vous dire que là il fait vraiment très noir pour moi. Et je vois que sur le retour du téléphone, on a tout simplement quelque chose qui s'adapte à la luminosité ambiante. Et là on va voir que la caméra de surveillance s'adapte et va nous proposer une luminosité correcte pour la lumière environnante. Alors les seules sources de lumière c'est le clavier et ce coin LED ici. Donc autant vous dire qu'on voit pas grand chose. Là justement il y a le téléphone qui filme, qui filme le retour. Mais voilà les gars, là on peut voir quelque chose qui va être assez cool. Et on peut voir sur ma caméra à moi que autour ça reste quand même très très sombre et qu'on ne pourra pas avoir quand même quelque chose de très détaillé, alors qu'avec la caméra on va pouvoir s'adapter et voir des choses très détaillées même quand il y a peu de lumière. Donc ça c'est très satisfaisant. Donc la night vision c'est clairement validé et puis on va tester un petit peu d'autres choses, mais pour l'instant ça se porte plutôt bien. Alors petit débrief un petit peu pour vous annoncer au niveau stockage. Au niveau stockage du coup on aura des choses intéressantes. Bon là la caméra tourne toujours. Bref, alors ce qui va être intéressant de voir les amis, ça va être de voir les choses qui ont été détectées et filmées. Donc là par contre il y a un petit problème au niveau des notifications, ça je le notifierai dans la conclusion. Mais en gros, voici les clips que ça a créé quand je suis apparu sur la caméra tout simplement. Donc c'est plutôt cool, comme ça on a un retour direct et on voit ce qui s'est passé sur la vidéo. Et c'est très rassurant, c'est ce qu'il nous faut dans tous les cas sur une caméra de surveillance. Donc pour ce point, notez bien que ça a été détecté, ça m'a détecté
Et bah, c'est un très bon point parce que bah, on a le replay en continu. Et on peut aussi, en parlant de continu, avoir un enregistrement en continu qui va être disponible sur les serveurs de Xiaomi. Et ce, pendant 7 jours. Donc pendant 7 jours, vous aurez accès à tout ce qui s'est filmé jour et nuit, 24/24. Et en plus, c'est un service qui est gratuit. C'est ce qui différencie de la marque parce que généralement, les caméras de surveillance ont un système en plus, un service en plus. Comme c'est en ligne, c'est-à-dire que c'est pas du tout lié à une carte micro SD ou quoi. Et ça veut dire que même si la caméra est cassée, et bah ça aura quand même accès à tout ce qui s'est passé. Donc ça, c'est très cool à notifier. Et maintenant, on va tester le son de ma voix. Donc c'est-à-dire quand je vais parler à la caméra alors que je ne suis pas à côté et que je serai très loin, grâce à l'application et à mon téléphone. Et bien voilà, maintenant, on va pouvoir m'entendre et bah, je vais pouvoir discuter avec la personne qui est, bah, par exemple, dans ma chambre. Et ça va pouvoir être très intéressant en termes de sécurité parce qu'on va pouvoir parler directement, c'est très dissuasif. On sent qu'il y a quelqu'un et on entend relativement bien ma voix, ce qui va montrer qu'il y a de la présence, que la caméra est connectée et qu'à tout moment, le propriétaire revient. Donc écoutez, normalement, c'est assez audible ce que j'avais entendu et on peut bah, entendre correctement via les haut-parleurs qui vont aussi diffuser le bruit de l'alarme si on la déclenche ou si elle est déclenchée. Et par exemple, bah, du coup, voilà, je peux aussi activer la lumière et la désactiver, enfin bref, voilà, tout ce qu'on peut faire grâce au téléphone et en plus là, le mec peut entendre clairement. Et moi j'entends tout ce qui se passe. Pour conclure cette vidéo et donner un avis sur le produit, alors la caméra AmiLab EC5, je la trouve très bien. Le tracking se fait correctement, la mise en place est assez simple, l'application permet de grandes choses et d'avoir un accès total, même à distance, c'est le privilège de la connexion Wi-Fi. La qualité d'image, rien à redire parce que c'est très fluide et c'est très détaillé, c'est très net. La sirène est très dissuasive et fait réellement un bruit de sirène. Quand on entend ça dehors, enfin moi quand j'entends ça dans mon voisinage, les gars, je regarde qui se passe et je me dis oula qu'est-ce qu'il y a, et en plus ça clignote avec la lumière sur la caméra et c'est plutôt pas mal ce point. La vision nocturne est très bien réussie parce qu'on a pu essayer de faire ça rien que dans ma chambre et aussi dehors et on a pu voir que c'était très bien foutu. C'est pas parce qu'il manque de la lumière que la qualité va baisser totalement et elle va pouvoir quand même nous s'adapter et nous donner des images très correctes. Le gros plus de ce produit, c'est tout simplement le service gratuit fourni avec l'objet qui va nous permettre de revenir jusqu'à 7 jours en arrière sur tout ce qui s'est passé. L'enregistrement continue dans les serveurs, c'est plutôt cool. C'est souvent une option payante sur les caméras de surveillance, donc c'est à noter. Par contre, un point à notifier, c'est que je n'ai pas eu de notification. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que j'ai mal activé les notifications, mais c'est assez dérangeant parce que quand on a une caméra de surveillance, on aime bien avoir directement bah, une notification sur ce qui s'est passé, mouvement détecté, etc., etc. Là, je n'ai pas reçu grand-chose. J'ai juste eu une notification dans l'application, ce qui ne signifie pas que je vais avoir une notification quand je déverrouille mon téléphone. Et j'aimerais bien le savoir quand il y a quelqu'un qui passe ou qu'il y a un élément détecté. Un autre gros point, c'est par exemple de pouvoir parler à quelqu'un qui est par exemple devant la caméra grâce à son téléphone et même d'écouter tout ce qui se passe grâce au micro. Donc il y a un micro et des haut-parleurs qui va nous permettre bah, d'avoir encore plus d'informations sur ce qui se passe à distance. Écoutez, si vous avez aimé ce test et que le produit vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir en description. Il y aura le lien du produit ainsi que la boutique AmiLab que je remercie de m'avoir confié bah, leur produit pour que je puisse le tester et vous débrief tout ça. Mais en tout cas, c'est un test réussi. Pour un prix avoisinant les 100€, on peut se retrouver avec quelque chose qui nous donne beaucoup d'informations et qui nous fait nous sentir en sécurité. Et je pense que c'est le rôle principal d'une caméra de surveillance. En tout cas, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis, bah, passez une très bonne journée les amis.